Préparez-vous pour une aventure. On va jouer à Beholder. Alors. On va faire un apprenant, ce qu'on a un peu détrouillard. Cher Karlstein, nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été nommé propriétaire de l'immeuble D sur Krujvisis. Vous devez vous y rendre immédiatement et commencer à travailler. Nous vous donnons à vous et votre famille un appartement au premier étage. Le médicament expérimental que nous avons injecté lors de votre examen médical supprime tout besoin de sommeil. Ainsi, vous serez en mesure de passer plus de temps au service de votre patrie. Bienvenue au rang de fonctionnaire élite, ministère des affectations. Bah super. Bienvenue en France. Eh, le gilet jaune, on t'emmène. Charge dans ton cul. Force ouvrière, patria. Super. Ah, puis j'ai coupé le son comme un connard. Du coup, vous avez même pas eu le son avec les voix et tout. Ah, je suis trop un connard. Appelez-moi con. Oh merde. Oh bah non. Oh bah flûte alors. À quoi on va jouer? On va relancer. Cher Karlstein. Ah non. Nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez. Eh, hey, joue pas ta pute là. C'est votre patron qui est celui pour parler. Super fort. Souhaite la bienvenue, que se passe-t-il? J'entends la vermine de la maison, cela ne vous concerne rien. Comme vous voulez. Un prédécesseur était incapable de s'acquitter de la moindre tâche. Si une personne occupant un poste important ne peut pas s'acquitter d'une simple tâche, il n'y a qu'une issue. Il l'a fait exprès, c'est-à-dire qu'il est devenu un hors-la-loi. Maintenant, tout ce que vont vos locataires nous intéresse. Et le mot tout signifie
Le mot tout signifie absolument tout. Vous suivrez chacun de leurs pas et documenterez toute activité suspecte. C'est-à-dire, si vous voulez avoir la réputation d'être un bon fonctionnaire, si vous voulez être un parfait observateur, documentez les passe-temps, les intérêts et même les conversations. Comment puis-je faire cela ? Observez et enregistrez. Les caméras de surveillance vous seront utiles. Commençons par le commencement, c'est mieux. Avez-vous déjà lié un immeuble résidentiel ? Car avez-vous besoin de mon aide ? Demandez de l'aide. J'ai besoin de votre aide. Je vous aiderai, mais gardez les yeux ouverts et ne loupez rien. Voici votre journal de fonction. Il se trouve à droite de l'écran. Okay. Faites défiler les onglets pour l'examiner. Alors, nous continuons notre conversation. Les tâches. Le profil. Les gens qu'il y a dans les appartements. Ouais. Tu veux entendre. Est illégal d'abriter des criminels ou de dissimuler leurs actions. Ok. Réponse aux demandes et aux messages. Les factures de paiement. Oh, juste une facture, ça suffit. Hein. Facture, genre, t'as juste à payer. Non, la surveillance. Installez les caméras de surveillance dans votre maison pour faciliter la tâche. Dans ma maison, carrément. À droite de cette pièce. Ah, oh putain, mais comment, on peut pas dézoomer. Allez. Génial, nous détruisons les caméras installées dans le réfectoire. Suivez-moi. Eh bien, non. Cliquez sur détecteur de fumée puis choisissez une caméra installée. Les sons sont encore comme très forts. Oh, non, sortez bien, hein, voici votre première récompense. Dépensez votre argent pour les choses dont vous avez besoin, vous trouverez la boutique. Carturien sur Dieu. Les points de réputation indiquent votre réputation. Waouh! Les amis français, est-ce que vous parlez français? Sortir un prof en Allemagne. Non. Vous en recevrez à l'achèvement de chaque tâche. Vous pouvez également l'utiliser à des fins personnelles afin d'obliger les gens autour de vous à faire ce que vous voulez. Pardon, j'ai des problèmes à résoudre avec le ministère. Cependant, vous pouvez m'appeler à tout moment sur votre ligne privée de votre bureau et me demander tout ce que vous voulez. D'ailleurs, Karl, je vous encourage fortement à répondre au téléphone. Tout ceci, si vous voulez, moi, servant notre grande patrie, le respect des directives et des ordres du ministère sont notre pain, notre eau et notre air. Voici le point principal, plusieurs locataires présentent un risque. Votre prédécesseur a pu s'occuper des choses. Nous espérons que vous feriez mieux que lui. Dites-moi juste comment. D'abord, surveillez étroitement les locataires, rédigez un rapport avec vos corps, recueillerez des preuves, la police s'occupera du reste. Entre nous, notre grand État peut être très reconnaissant envers ceux qui font bien leur travail. Bien sûr, merci Emmanuel Macron. Le ministère peut fermer les yeux sur les contrefaçons et le chantage s'il vous aide à atteindre votre objectif. J'aime votre enthousiasme. Prenez votre temps d'appeler notre service. Peut toujours demander conseil à notre sage tuteur. Dernière instruction. La clé que je vous ai donnée ouvre toutes les portes de l'immeuble. Assurez-vous que vos locataires ne sont pas dans leur appartement avant d'y entrer. De nombreux concitoyens, continuent à penser que leur vie privée ne concerne que qu'ils soient assis. Maintenant, mettez-vous au travail.
Message d'un pote pour un anniversaire, un peu en avance, ce que là voulait. Il est déjà minuit, quoi, car on parlait de travail. J'ai vu la police emmener une personne notée juste à côté de moi, ça m'a effrayé. Qui était ce Carl? Ce gérant de l'immeuble lui a pas rempli son travail, quel cauchemar. Ah ouais, c'est bon, ta gueule. Ah, c'est là-bas qu'il y a des flammes. Le patron m'a dit d'appeler le ministère pour recevoir des instructions. Ouais, je veux dire, putain, il arrive pas le connard. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de... Carl, vous avez traité votre principale tâche. Vous pourrez recevoir une tâche. Bah ouais. Mettre en place de surveillance dans l'appartement de Jakob Manichek. Toujours acheter les caméras, vous avez besoin des boutiques de l'État. Entrez dans l'appartement d'un locataire lorsqu'il est absent et soyez prudent. Ah yes. Appartement 2. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pas le lire. Il se paie bien le salaud. Les pommes doivent être détruites. Les propagandes politiques sont interdites. Ta gueule, allez là. Attendez, vous l'archiviste, faire connaissance. Pas le cas, nous gérons l'immeuble. Je suis un archiviste respecté. Je l'avais vu dans ce dégoûtant appartement. J'espère que vous mettrez tout en ordre ici.
Demandez au sujet de l'épouse. Travaille à la cafétéria, toujours dans la cuisine. Tellement faire des petits pains, des gâteaux au four. C'est de ça qu'elle vit. J'aimerais qu'elle ne sente pas le chou. Le bâtard, le bâtard. Oh, le bâtard. Allez hop. J'aimerais discuter, faire connaissance. Car je suis le genre de l'immeuble. Salut, je suis heureux de faire connaissance, je m'appelle Maria Schimmer. Je voulais te faire essayer de vous aménager. Ok. Tu as rien à m'apporter. Parlez, petit fils de pute. Oui, père. N'aime pas votre nouvel emploi, votre patron est méchant. Le vieux là-haut, ah ouais, j'allais dire putain, il est resté. Keblo, quoi. Le vendeur de la patrie. Tu veux rien, toi. Le ministère de la Santé, ouais, à quoi l'utilisation de la langue nationale, là, on s'en fout. C'est un nouvel excès. Tout étranger, amateur de culture étrangère comme étant un espion. Parler la langue de la patrie, sinon ça marche pas. Ouais, ils s'engueulent, les deux. Qu'est-ce que tu fais à ma meuf, toi? Pas vu son fils. Klaus Schimmer. $500. Allez, il n'y a rien de fou là.
pas quoi faire là. Putain, c'est pas possible, j'ai tout fouillé. Cet homme a tous les vices. Le ministère. Première tâche est une réussite, très compensée. Oui. Comme un échec enfreint la directive de l'État. J'ai des caméras de surveillance, caméras détectent indicateur, quelque chose d'illégal, l'icône change d'action de couleur. L'action change de couleur. Cliquez sur l'icône pour ajouter la preuve au dossier. Joignez la preuve que vous avez recueillie à votre rapport. Il est là. Il est en train de fumer là. Jetez à l'œil, Coco. Le bâtard, il s'en bat les couilles, notre gueule. C'est interdit de produire des médicaments. De produire, c'est toujours interdit ça. C'est ça qu'on regarde les gens. Il est chanté devant le ministère de l'ordre, moi. Super. Ah mais il en fera rien techniquement. Pomme, il n'y a pas de pomme. Propagande politique, il n'y en a pas.
Alors, a dit j'ai un port, monsieur. Qui lui? Jacob Manichek. Appartement numéro 2. Enfreint la directive, oh, j'en sais rien. 6040. Du 2 septembre 1984. Pas bon, hein. Ya ya. Hartung Zerschön. Alexandre Benalla va taper à la porte de Jacob. Tiens. Il se fait boxer le bâtard. C'est pour détinger ça. Pauvre, il reste en 11-11. La mort par l'aiguille. Drogue, c'est un problème majeur de notre société. Mais ça, c'est tout le temps. Y a reçu. Mystère et la vérité a remarqué un intérêt croissant pour les livres de philosophie. Le ministère recule la notion d'une société sans gouvernement dans laquelle le libre arbitre existe est dangereuse et doit être détruite sous toutes ses formes. Voilà pourquoi Emmanuel Macron n'aime pas du tout les gilets jaunes. La philosophie n'est que sornette. Réparer l'appartement numéro 2. Décence garantie. Loin un roux. Prendre le médecin. C'est un mâle blanc privilégié, Donaz. C'est l'achèvement de votre tâche. Si c'est lui qui arrive. Yes. Allez là. Pas me parler. Oh, tu veux pas me parler? Toi, tu fais la mauvaise coton. Yes, putain, allez, les sous, ça pleut là. Je suis en train de mourir, faut avoir mon téléphone, ok. Parler avec l'épouse. T'as perdu sa poupée. À la maison. Attends, toi tu dors là, toi.
Quoi? C'est peut-être ça. Ah, sur un mineur, ils ont des problèmes avec les mines. Donc là, la police prend une casserole, elle va chez Ikea. Là. De livres d'économie pour Patrick. Patrick! Non, c'est Philippe. Elle veut emprunter ça à qui? Ah non, c'est emprunter un pot au voisin. C'est ça, la meuf. Yes, aïe. Allez, on dit sucre ni pomme. Parler avec la femme de la femme de Chimeur. Je suis un connu de bruine de film, prendre des photos. Se renseigner sur les dernières nouvelles. En prison. Ouais. Casse-toi. Croza. C'est pas elle. De l'époque. Ah. Ouah, si mère close. Parler au nouveau là. Mais putain, mais il veut jamais parler ce fils de chien là. Quelqu'un, docteur Aloysius Spack. Spack. Bon, je rentre pas de toi. Je faisais juste mon travail. Sur le devoir. Ouah, le mec qui se parle à la troisième personne, allez, dégage. Oh merde. Il fume la pipe. Elle aime la cuisine.
D'aime me pêcher. Ou Patrick. Patrick! Égal d'utiliser deux vis étrangères, égal de lire le possédé d'un livre de Paul Williams. Yes, ça c'est fait. Rosa Aranek. Appartement 3. Personne de valeur. T'es un expert en vin. Expert en vino. On va voir si on peut choper des bonnes cames, des bonnes grosses cames. Des livres. Patrick, ça y est, là, c'est lui. Je sais pas, je peux la mettre, je pense pas. Bon allez, je dois noter les caractéristiques de Klaus Schimmer. Klaus Schimmer. Je sais pas c'est qui. Appartement 1. Sex mal. Vie avec Maria Schimmer. Ah. Vendeur de tabac. Ok, donc faut que je vire Shimmer.
J'étais des bonbons à Martha. Elle mérite bien une gâterie. Partez bonne présenter. Maître d'équipage sur la péniche de charbon 234-87. Non, ça me tente pas ton délire. Achalala. Chose ici. Mais n'importe quoi. Ta meuf. Ok, tu me sers à rien, toi. Bon. Rentre, rentre, rentre. Classe d'anatomie illustrée. Putain, il y va le bus, hein. Très privé. Raison, tiens, j'ai pas le temps de m'occuper des problèmes personnels. Un peu de déo pour trouver la femelle. Attends, bouge pas, je peux pas tout faire. Ah.
Je vais te virer. Je vais te virer. C'est bon, la meuf, elle est prête à parler ou... Elle s'en bat les... Elle est où, c'te... Là, on va les taper à la porte. Bah, il est là. Soda importé est interdit. Putain, mais le compte à race, là. Et pourquoi pas, petit ASMR tranquillou, au calme. Allez là, je vais faire comme ça là. Tu veux venir sur le TS? Tu veux faire entendre ta douce voix? Ah, si j'appelais moi-même le numéro. Insane, à mort. Attends, je vais essayer de faire avec le tube de crème. Comme ça. Est-ce que ça va péter ou pas? Non, attends. J'arrive sur le test, j'arrive. Un peu timide. Un médecin, comment s'appelle-t-il? Ok. Alors attends. Je ne peux même pas sauvegarder de la viande fraîche. Alors, ah, ça y est, le v'là, lui. Bon, t'as aimé mon ASMR? La bite. Bon, il y a un décalage de port. Ouais. T'as dû avoir au moins 30 secondes, un truc comme ça. À moins que tu veux qu'on fasse un jeu tous les deux, on peut, hein. Attends, je suis retourné en mode normal parce que, putain. Je m'entends en double. Mais non, j'arrive pas à pioncer, alors. Mais ça Ah. finit pas dire, peut-être que par là, peut-être que par là, si j'ouvre comme ça. Si je regarde comme ça par là. Voilà, elle était tombée sur moi. C'est ça. Ils sont en train de s'embrouiller là. C'est des Sims, les mecs. Une barre de chocolat. You gotta be my bride. Il peut courir, ce naze. Mes compliments.
Yes, putain, on se fait de la thune. À max. Il va courir un peu plus ce gros maintenant. Te le dis, moi. Ça réitère tout ce que tu dis et tout, mais exactement la même voix. Débarque. État civil, il vit seul. Profession, médecin. Tac. D'ailleurs, je joue au nazi, c'est drôle. C'est drôle. Quel con. Tu joues un nazi là? Non, t'as vu, je travaille pour la patrie, il faut que je balance les gens. Oh, d'accord. Collabo. Exact, voilà, exactement. Putain, faut que je chasse le mec. Je chasse Klaus Barbie. Appartement 1. Tu fais pas d'ASMR? Non. Qui fouille dans une chaise quand même. Comme il est illégal de posséder des livres, tu vas y aller direct, tonton. Et voilà. Et voilà. Bah voilà. Ils sont cachés au sous-sol. Ouais. Comment vrai? Quel est con. Vendeur de vie avec Maria. Vendeur de tabac roule. Bon, est-ce qu'on va pas le balancer maintenant? Rédiger un rapport. Qu'on a dit monsieur Klaus Schimmer. Klaus. On fera la directive. Putain, j'en sais rien. Alors, interdiction de posséder des livres. De Paul Williams. 6042. Du 3 septembre 1984. Aïe aïe aïe, il y a les flics qui arrivent. Les Schmitt, il y a les Schmitt. Les Schmitt. Oh, il s'arrête en face de la baraque. Ouais. Ah, bonjour monsieur, contrôle d'identité.
il cherche partout. Il a trouvé des livres. Je te nique à ta mère. Ah ils sont juste venus chercher les livres. Il fait des dépositions là. D'abord. Il va même pas l'arrêter, si. Tiens. Mais t'es caché où toi? Ah je suis à l'extérieur. Oh. T'es mais des vraies patates. Pourquoi il le boxe? C'est toi qui lui as dit de le boxer? Ouais parce que c'est les flics, c'est l'état d'arrestation. Oh. Oh le bâtard, avance. Vous êtes en état d'arrestation. Moi je suis là. Je suis là, je m'en bats les couilles. Ah ouais, mais t'es toi-même un Schmitt alors. Ah moi en fait je suis une balance. Je suis une pouca. Je suis la poucave du gouvernement. Ah, une... ah, des pommes. Allez, je vais en acheter deux. Si j'ai besoin de virer quelqu'un d'ici, je mettrai des pommes. Ils sont simplement venus arrêter Klaus. Ils l'ont battu avant de l'emmener. C'est pas quoi dire à votre endroit où rester. Klaus est mon seul ami proche. Quoi plus juste sans lui. Le temps qu'il arrive toutes les blessures, il sortira dans 2 ans, tout ira bien. Eh, je vends mon cul pour 250$. On dirait les flics pour 300€. Maman. Ah quoi, la télévision est cassée. Ils sont beaucoup dans le sous-sol, je trouve. Là, ils sont vendus là. Ils sont 4. Ah, je vois très bien ce qu'il veut que je prenne. Ah, il y en a plus. Oh, il le vend plus le bâtard. Bah, le bâtard, il le vend plus le bâtard. Ah, du celui-là. Oh, t'as joué de la musique. Je crois que c'était interdit de jouer de la musique. Ouais, t'as plus le droit de rien dans cet état. Yes, ça y est. C'est interdit de jouer de la musique. Ouais. Ça dépend laquelle. Martha est malade. Ah putain, l'aspirine. Ouais, je sais où il y a de l'aspirine. Vas-y, bouge pas. T'as de la chance que je suis pété d'oseille. Ah, là on vient d'avoir l'ASMR gutturale. L'ASMR orc. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Appelez le ministère, t'inquiète, j'y vais. Laisse-moi le temps de faire ce que j'ai à faire. Parler des mines. Découvrir ce qui s'est passé. Je dois vous parler, père. J'ai rencontré une jolie fille, je lui ai demandé de sortir avec moi. Non, tu aimeras les garçons. Je vais appeler les Schmitt si tu viens pas. Je te... Le monde, il est à moi, là. T'as pas encore compris? Bon, l'autre, elle a déménagé. Personne ne veut emménager dans votre maison. Bah voilà.
On va appeler le ministère. Peut-être que là, ça va déclencher des gens. Ah ouais, bah c'est vrai, tu bosses demain, là. Bah ouais. Ouah, 3 000 $, 6 mères. Placer des bannières de propagande dans votre immeuble. Qu'attendez-vous de l'archiviste? Pas grand-chose. J'ai vu des lunettes ici. Prendre. Je vais tout prendre. Waouh. Oh putain, des gilets jaunes. Oh merde. Waouh. C'est quoi ce délire? Station. Ouais. Oh, il y a tout qui part en couille. Oh là. J'ai pas de numéro d'un réparateur. Mais... Oh putain, tout ce qu'il va falloir acheter, tonton. Oh là là. Putain, ça y est, ça commence à partir en couille. On appelle du ministère. Le ministère amer. Oh là 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 là. Première prestation là, tourné au scandale, une partie publique est partie avant la fin. Ça tombe bien, c'est là où notre fils est parti. Je vais voir le doc. La fille, elle est malade, elle va mourir. Elle va mourir. Elle va mourir. Interdiction de posséder de la musique d'origine étrangère. Ah bah oui. C'est toujours des étrangers. Putain, c'est quoi cette meuf? Clara Jacques. Salut beauté. Tu me parles comme ça.
Putain, allez. Avec son trousseau de clés là. T'as les clés de la ville en fait. C'est ça, ouais, complètement. Le petit pion, je vais pas le déranger. Le mec au quatrième, il est parti là, le marin. Ah ouais. J'ai même pas fait gaffe. Big Dog. Celui-là, toi, du... Waouh, j'arrive pas à lire. Distinct 468. Ah, c'est plusieurs appartements, en fait. C'est ça. Quoi qu'il faut là? Cette explosion s'est produite sur Crush Street. Regardez votre cam, les explosions se sont produites à l'installation, entreposage et produits de consommation courante. Aucune perte en vie humaine, mais 15 blessés ont été signalés. La situation est sous contrôle, il n'y a personne, il n'y a aucun paniqué. Prévision météorologique pour demain, prévision du nord, 60,8 degrés Fahrenheit, super, ça ne veut rien dire. Camarades nous ont parlé, fort, la ville a entendu, les explosions sont produites à l'usine où ils ont proposé d'introduire une période de travail de 14 heures. Ouais, des japonais, quoi, des chinois. Le gouvernement n'a pas voulu entendre de plainte pacifique. Bon, je vois personne qui veut venir dans l'appart là. Ça devrait réparer celui-là là. Il est illégal de posséder et d'utiliser des armes, comme dans la vraie vie, quoi. Ah, il est là, le doc. Chose, ça fait un moment qu'il a été arrêté. Ouais, je sais que je suis génial, je suis un mari parfait, moi, t'inquiète. Bon, Marc Ranek, il a perdu ses lunettes, il les bite tout ce connard. Il est illégal de pleurer. Que plus de 3 personnes se réunissent en dehors de la place principale. Il est illégal de pleurer. Oh les mecs. Putain, mais je suis toujours sur sa gueule. Ouais. Merde, il a mis tout ce connard du coup. Le troisième. Sur le point de mourir, en fait, la partir, elle m'a déçu. Elle a ramené sa collection de 20 arches, ses amis semblent s'excuser. Oh le bâtard, faut que je vire. Faut que je vire la meuf.
Elle est défoncée là, clairement. Matériel t'as défoncé. Voilà, voilà, elle était défoncée. Je vais la faire virer direct. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, Clara Jacques. Elle a déjà un rapport. Madame Clara Jacques, appartement numéro 2. Elle enfreint la directive, je ne sais pas. Très bonne question. Ok, je sais ce qu'on va faire. Wow. Wow, faut que je trouve $10 000 pour soigner ma fille. Je suis dans le caca. Putain, l'hôtel est toujours là, quoi. Ah, attends, quoique. Georges dans ton cul. Locataire. Non, Georges dans ton. Il a un bandeau sur l'œil. C'est un gilet jaune qui a pris un coup de flèche. Mais j'ai pas de hashtag dans le bâtiment. Ah si, lui, non, Dora Noël. Refuser le marché. Le bâtard. Ok, je me suis dans la merde. Le temps des grandes actions est venu. Oh, ça c'est des activistes, tonton. C'est plus
plus du cul. Marc, 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 tu fumes, t'as pas le droit. T'as vu tout à l'heure, elle était bourrée, mais c'était quoi son truc? Boisson. C'est quoi comme directive? Boisson. Il me casse les couilles à toujours vouloir des trucs. Est-ce que le médecin il est là d'ailleurs? Ouah. Je sauve ma fille ou je donne des études à mon fils. Ah. Elle fume, mais est-ce que c'est interdit? Oh là 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 là! Ils font chier. De la viande en gelée. Putain, j'ai tellement de missions, je sais pas ce que je vais faire. Putain, je veux pas aller au mec, moi. J'aurais parlé au doc, c'est possible. C'est dur, comme ma bite. Ouais, j'ai besoin de $500 pour nourrir les enfants, j'ai besoin de $10,000 pour soigner la gueule. Fais des choix, connasse.
cette addiction de posséder et consommer du poisson. Poser une petite pomme. Voilà, comme ça, la meuf on peut la virer. Voilà. Est-ce que c'est pas machiavélique comme plan? Je trafique moi-même le truc, qu'est-ce qu'il y a? Clara Jacques, appartement 2, enfreint la directive. Putain, vous me cassez les couilles avec vos pommes là. 60-39. Du 1er septembre 1984. La maison. Casser la gueule. Putain, une radio 2350$. Arrête. Yes. J'ai de quoi soigner ma fille. Notre fil, allez. Putain, ils veulent m'attirer des soucis dans cette famille. Ils veulent que je donne une pomme à ma fille. C'est interdit les pommes, putain de ta race. Pas changé. Bah ouais, comme tous les gouvernements, quoi.
faire frire des œufs sans les casser. Allez. Faire des omelettes sans casser des œufs. Et je vais aider des activistes. Elle est partie dormir, cette conne. Faut que je trouve des lunettes à l'autre con, là. Casser les couilles. Putain, mais ils sont tous chez eux, les cons, là. De la loterie. Allez. Ok, je vais plus rien faire. Ils vont dans un sous-sol, faut acheter un... un chauffage, bah connasse. Je dois faire emménager Antoine Grubic. J'ai plus de sous pour réparer les bâtiments de bâtard.
C'est bon. Vendredi 13. Plus de violette, moins de violence. Dans le corps des sabots. Interdit de parler de guerre, ok. C'est toi qui impose les règles ? Non, c'est l'État. C'est, on dirait YouTube, le truc. Maman. Interdit de ci, interdit de ça. Interdit de te marrer. Ouais, interdit de respirer. Interdit de faire de la musique avec son cul. Ah, appartement. Bon, on va essayer de récolter des sous comme on peut. Hein. Rosa Ranek. Appartement numéro 3. État civil, vieux comme Marc Ranek. Il est donc obligé de partir bosser de force à la mine. Bah voilà.
Putain, c'est con, j'étais à ça d'avoir ses sons en plus. Tant pis pour lui. Voilà, il va y avoir du monde, j'ai installé tous les locataires, hein, six appartes. Camille, elle est encore malade, il faut prendre un médicament. Prendre un médicament qui est impossible à importer. Bonjour à tous. Interdiction de stocker des ampoules. Ok. Oh, vas-y, je vais me mettre dans la merde juste pour rire. Appartement 4. Le sujet est sous la protection de l'État. Ok. Ah, carrément, j'ai pris une amende pour ça. Oh, les fils de pute. $15 000. Putain, ta race. Patrick.
Bon, on s'en sort gentiment, mais sûrement. T'enculer le vieux. Pas trop, je vais trouver des ciseaux car... Je peux juste tuer des gens. Okay. Eh Patrick, j'aurais pu te payer tes études si j'avais été moins con. Appartement 5. En challenge retard. Ah, ils déménagent les deux. Ah putain.
crois qu'il se balade encore. Interdiction de porter des cravates bleues. Non mais les mecs. Ok, ça n'est pas trop mal tiré. Appartement 6. Margaret Zouer. De l'installation à la fermeture des universités, j'aurais payé 6 500 $. L'autre il serait parti crever au front.
prendre le téléphone. Personne ne veut emménager dans votre maison. Alors la meuf, elle avait une mission, c'était d'acheter un chauffage. La mission, elle a fini. Je ne peux plus lui donner le chauffage, par contre je peux encore acheter une radio et lui donner. C'est-à-dire la meuf, c'est plus important d'avoir la radio que du chauffage. Putain. Pour savoir ce qui se passe dans le monde. Je te jure, hein, mais putain. On va avoir chaud, je m'en bats les couilles, moi. Je préfère crever. Je préfère regarder BFM. Il revient pas le vendeur à souhaite là. La sauvette. La sauvette. Pourquoi la sauvette? Parce que Schmitt est saut. Le vendeur à sous-vêtements. Sous-vêtements. Il est illégal de lire un livre. Ok. Putain, plus ça va. Il est illégal de pisser. Merde. Trop de balle. Ah, je pense que les tickets étaient faits pour se faire de l'argent. Je m'en bats les couilles, frère. Bah alors ? Alors quoi ? Tu viens de prendre un niveau là ? Je viens de voir ça. Pourquoi ? T'es passé au niveau 29 là. Par rapport à. T'as pris un level. Eh bah ouais, ma gueule, on est le 31. Oh merde. C'est vrai. Aïe aïe aïe, j'ai level up. T'as level up là. Joyeux, ouais. Joyeux nazi-versaire. Merci. Ah ouais, putain, 29. Ah ouais, t'as level up là, c'est bon ça. Enfin, c'est bon. C'est bien. Ah oui, je viens de voir ça à l'instant. C'est vrai, c'est... j'ai putain, pas de 31. 31 déjà, putain. Oh. Ah ouais, demain on entame le nouveau mois. Putain, il reste plus qu'un mois, ouais, avant que t'arrives. C'est ça.
les bâtards. Ils m'ont mis dans mon de fils de pute. Niveau 9, putain. Ça trouve le cul. On se fait vieux. Bientôt ton tour. C'est ça, ouais, dans 6 jours. C'est ça. Mais ce sera autre chose. Niveau 30. Ouais, c'est ça. T'as pris un niveau de parangon. À mort. Et encore non, les parangons, c'est quand tu crèves. Après, les années continuent à passer, mais tu gagnes quand même. En fait, c'est ça, quand je serai mort, après je fais à mes parents où un an qu'il est mort, deux ans qu'il est mort. Vous vivez c'est ça, c'est dans le meilleur ça. Pays du monde. Et les autres pays en espérant atteindre le level 70 quand même. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin. Après on pourra aller voir Mattel tranquille. Je te jure. Là, on peut pas, là, pour l'instant, on est encore en mode histoire. Déjà, on va arriver là-bas. D'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand état. Vous devez quand même être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre train. Sans décor, exitable de révolte. Super. Et notre courage pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un. Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. Qu'il prospère et vive bien longtemps. Vous vivez dans le meilleur pays du monde et les autres pays sont jaloux de vous. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Savon, sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand état. Vous devez quand même être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre travail et notre courage. Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un.
Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. Qu'il prospère et vive bien longtemps. Vous vivez dans le meilleur pays du monde, et les autres pays sont jaloux de vous. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Savon, sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides. Envoie se percuter contre notre grand état. Vous devez quand même être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre travail et notre courage. Ouah, nique ta mère. Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un. Notre grand chef est l'esprit. Prospère et vive bien longtemps. Vous vivez dans le meilleur pays du monde, et les autres pays sont jaloux de vous. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Savon, sucre, pain et des... certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, putain, nous t'es d'homme, je trouve ça ouf, fils de pute. Sans effort, les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand état. Vous devez quand même être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre travail et notre courage. Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un. Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. Qu'il prospère et vive bien longtemps. Vous vivez dans le meilleur pays du monde, et les autres pays sont jaloux de vous. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Savon, sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas. Nos adversaires ne cessent de comploter contre nous.
Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand état. Vous devez quand même être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre travail et notre courage. Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un. Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. Qu'il prospère et vive bien longtemps. Vous vivez dans le meilleur pays du monde, et les autres pays sont jaloux de vous. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Savon, sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand état. Vous devez quand même être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre travail et notre courage. Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un. Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. Qu'il prospère et vive bien longtemps. Vous vivez dans le meilleur pays du monde et les autres pays sont jaloux de vous. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Savon, sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand état. Vous devez quand même être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre travail et notre courage. Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre... Ma fille, soit je la dénonce parce qu'elle lit un livre, soit j'entends qu'elle crève. Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. Qu'il prospère et vive bien longtemps. Vous vivez dans le meilleur pays du monde et les autres pays... Tout le monde lit, c'est abusé. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Savon, sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand état. Vous devez quand même être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Trop message. Merci. Jetez une ombre sur notre travail et notre courage. Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un. Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. Qu'il prospère et vive bien longtemps. Vous vivez dans le meilleur pays du monde et les autres pays sont jaloux de vous. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Savon, sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand état. Vous devez quand même être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre travail et notre courage. Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre... Oh, y a eu aucun sub, je vais pas faire de twister. Nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un.
Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. Qu'il prospère et vive bien. Je peux pas faire tout ce temps là. Non. Vivez dans le meilleur c'est mort. Pays du monde. Et les autres pays sont jaloux de vous. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Savon, sucre et des certificats d'appréciation. Je vais pas faire un twister sur le thème. Joyeux anniversaire, Mr. President. Ah là, c'est chaud. Là. J'ai pas la place en plus. Conflictez contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues. Là où de ça terreur. Se lit en anglais, tu mets un index. Oui, à la limite. Il y en a qui font bien du skate avec les doigts. Hein. C'est vrai. Nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand état. Vous devez quand même être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre travail et notre courage. Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un. Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. Qu'il prospère et vive bien longtemps. Vous vivez dans le meilleur pays du monde. Et les autres pays sont jaloux de vous. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Savon, sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans putain, c'est quoi ce monde de merde de que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre ce grand monde de état. Merde. Vous devez quand même ouais, être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Plus besoin de rien faire. Aux saboteurs et signalez toutes ces points. La plus grande rage. C'est ça. Entourer notre pays. Et pourtant, notre grand chef ne fait rien d'autre que rechercher des traîtres. Dans sa tentative de se raccrocher au pouvoir, l'État ne fait constamment ingurgiter de fausses propagandes. Proclamant que la patrie est en danger et que les médias de masse contrôlés par le parti appellent les travailleurs et les agriculteurs à trouver des espions parmi les membres de leur famille. Il est temps de dire non à leur constante oppression. Des centaines de milliers de travailleurs ont répondu à notre appel. Et de la révolution est l'arrivée du nouvel avenir. Notre pays est en train de s'effondrer. Et nos gens sont affamés. Interdiction de posséder du sel d'origine étrangère. Ah, les étrangers sont pas trop aimés. Hein. Pour lutter contre le véritable ennemi, la tyrannie du soi-disant grand chef, joignez-vous au mouvement pour un nouvel avenir. Laissez la voix de la vérité soit entendue partout dans le pays. Citoyens, la guerre fait rage. Et les envahisseurs ont entouré notre pays. Et pourtant, notre grand chef ne fait rien d'autre que rechercher de traîtres dans sa tentative de se raccrocher. Au pouvoir, l'État ne fait qu'en. Constamment ingurgité de. Fausse propagande. Proclamant que la patrie est en danger. Et que les médias de masse contrôlés par le parti appellent les travailleurs et les agriculteurs à trouver des espions parmi les membres de leur famille. Il est temps de dire non. Tu parles trop, là. À leur constante oppression, des centaines de milliers de travailleurs ont répondu. Ah.
notre appel et aide la révolution et l'arrivée du nouvel avenir. Notre pays est en train de s'effondrer et nos gens sont affamés. Notre devise est votre sonnerie de clarion. Rassemblez toutes vos forces pour lutter contre le véritable ennemi, la tyrannie du soi-disant grand chef. Joignez-vous au mouvement pour un nouvel avenir. Laissez la voix de la vérité soit entendue partout dans le pays. Citoyens, la guerre fait rage. Sans-vaisseurs ont entouré notre pays. Et pourtant, notre grand chef ne fait rien d'autre que rechercher de traîtres. Dans sa tentative de se raccrocher au pouvoir, l'État ne fait constamment ingurgiter de fausses propagandes, proclamant que la patrie est en danger. Et que les médias de masse contrôlés par le parti appellent les travailleurs et les agriculteurs à trouver des espions parmi les membres de leur famille. Il est temps de dire non à leur constante oppression. Des centaines de milliers de travailleurs ont répondu à notre appel et aident la révolution et l'arrivée du nouvel avenir. Notre pays est en train de s'effondrer et nos gens sont affamés. Notre devise est votre sonnerie. De bâtard, moi 3000 de haie, vous faire enculer. La tyrannie du soi-disant grand chef. Joignez-vous au mouvement pour un nouvel avenir. Pourquoi il y a des Schmitt? C'est pour moi? Parce que j'ai ma deuxième amende? Non. Citoyens, la guerre fait rage. Et les envahisseurs ont entouré notre pays. Et pourtant, notre grand chef ne fait rien d'autre que rechercher de traîtres dans sa tentative de se raccrocher au pouvoir. Merci, c'est enfin raté depuis tout à l'heure la propagande là. Super. Invasion de canard. Putain. Je suis sûr que c'est lui.
trouver une bombe dans la maison. Oh, allez, Dieu. Tu vas déménager, mais je vais t'aider à déménager, mec. Albert m'a une queue, mais je vais t'aider à déménager. T'inquiète. Alors, appartement 4. Interdiction d'aller dans les bars. Ah, je l'ai pas vu celle-là. Martha est morte. Et ça, c'est une fin, ça? Mais non. Voilà, continue la partie, on s'en bat les couilles. Votre fils Patrick Stein a participé au braquage de la banque centrale et a été tué par la police. Ça part en couille.
Je suis renvoyé pour des tournements de France parce que j'ai pas assez de thunes pour payer l'amende. Super, à la fin du game. Tout le quartier est venu voir la police emmener Carl dans la voiture de police. Son visage était couvert de sang et son pantalon était troué à l'endroit où il gardait les clés de l'immeuble, car la police les a sortis en arrachant le tissu. Jusqu'à la dernière seconde de sa courte vie, Carl s'est demandé ce qu'il était advenu de sa famille. Aucun des membres de la famille de Carl Stein n'était destiné à voir la fin de l'année. Ouah, la gueule. Tiens, toute ma famille s'est fait tuer. J'ai passé le reste de ma vie en prison. Merci. Voilà. Bon, et bah c'est sur cette superbe fin que je vais quitter le stream et que je fais des bisous à tout le monde. Merci d'avoir regardé, merci à ceux qui sont passés, merci pour les messages d'anniversaire. Et à très bientôt.